Genre, comment est-ce qu'il gagne? Comment est-ce que Olaf perd contre Zach? Je vois pas un monde où Olaf fait pas 10-16 minutes et genre Omega Peak, tu vois, Zach ne peut rien faire contre Olaf. Plutôt, comment Zach perd contre Olaf? en se battant. En fait, Zach fight Olaf, il perd. Donc à partir de ce moment-là, c'est le principe d'un counter, non? Ou c'est moi qui pète mon crâne, genre? Olaf a pas besoin de tuer Zach, en fait. Olaf, juste, il prend 10-16 minutes et Zach peut pas toucher les waves. Il a pas en 16, je pense pas qu'il se fasse exploser du tout. Bah qu'est-ce qui... Enfin... Bah on verra bien. Merde, j'ai déjà skill mon Q, putain. On va perdre vraiment. Oh la catastrophe. Seulement t'avais un W, bah ça aurait rien changé au move, mais oui. W aurait été mieux. Mais ça aurait rien changé. Hein. J'aurais payé plus de dégâts sur le target principal. En fait j'aurais plus de dégâts en global, mais... En fait vu qu'on a tué personne avec le Q, on aurait tué personne avec le W, vous voyez ce que je veux dire? Oh my bad, je me suis défocus là. J'ai pas vu qu'il avait 2 PV trash, qu'il avait reculé, qu'il était niveau 2. Merde, j'ai mangé un cookie. Bon, on s'en bat les couilles en vrai. C'est pas très grave. C'est GG au top, mais... Enfin, vous allez voir que Zach, je pense, ne peut rien faire contre Olaf. Regardez là. Nowhere, just kill him, you trash. Ouais, j'ai envie d'écrire dans le chat, mais... Seems like laning versus Olaf isn't that easy after all. je peux pas me retenir. On va se focus. Faut que je fasse gaffe à Blitz. On va se concentrer un peu sur la lane. Je défends un peu mon jungle, frère, c'est bon aussi. Mon Q? Quoi? Il serait pas mort hein, mais il a flash mon Q. Quoi? C'est quoi ce bug? C'est la première fois que je vois ce bug. Sur Smolder, pourtant j'en ai fait des parties hein. Il serait pas mort hein de mon Q, donc pas de panique mais... Dans le passif du Blitz, non, j'avais le proc brillance, je juste pas parti.
C'est un nouveau bug ça, je l'avais jamais vu encore, et pourtant c'est pas la première fois qu'on essaie de flash mon Q. Avec Smolder. Après 150 stacks, tu peux plus flash le Q de Smolder, avant tu peux. Ok Gob, 150 comme ça, chiffre dit au hasard. Vraiment, chiffre dit au hasard. Nice. Oh my bad, je pensais pas qu'il allait me rentrer autant de damage. Les petits fruits! Ouh, tu t'envoles! On peut ou pas? Nice. Le dash maintenant. Bien joué. Oh non, bien joué. Oh my bad, j'ai cleansé ce slow mais je suis parti du mauvais côté. My bad. Fallait dire ok. C'est bon, arrêtez de faire les cours dans le chat. Vous voyez pas que j'ai fait une game avant, j'étais en 7-3 sur Xayah. Je suis déjà un peu en mental breakdown, plus j'ai perdu à Young Smolder, là j'ai mon top laner qui fait yes avec un Plezak versus Olaf. Se fait arracher sa mère, se font x2 CS à 17 minutes de jeu. Je suis un peu à cran. Hein. Et putain, on la prend le shutdown frère. Enfin Olaf Tresh. Il a répondu quoi le Zach après la remarque? Il a dit que c'était la faute de Xin. Il a fait en mode Xin is inting, je lui fais bah je préfère avoir quelqu'un qui in qui est en 2-1 plutôt qu'un mec qui joue normalement et qui est en 0-4. Et je crois pas qu'il ait répondu derrière. Chez le GOAT. C'est toi, t'as vu flash dans le vide, l'instant m'a rabooté de tes games. Donc il y a moyen, hein, depuis que j'ai joué avec Triton, plus une seule victoire. Enfin, si je gagne une game. Hein. Nice, hein, all played. Je pense que Smolder en jungle c'est viable. Non. Merde, je vais faire le challenge. J'ai pas lu. Peut-être je me trompe. Hein. Un peu comme les ajouts jungle AFK farm. Mais l'ajout c'est pas viable non plus en jungle. Mais non, je pense pas que ce soit viable. Parce que Nasus jungle c'est pas viable et je pense que Smolder jungle c'est pas viable. Skyard t'en sueur. Mais c'est parce que Skyard joue Nasus Jungle que Nasus Jungle est viable hein. Grand, mais tout mon respect à Skyard hein, mais justement il joue au jeu en hard mode pour que ce soit plus équilibré pour ses adversaires. Il les déchire nice. Qu'est-ce qu'il branle avec son TF? Merci Scrognonio pour les 6 mois. Drama de fou entre Wax et Skyard. Ouais. En fait les gars, faut que je vous l'avoue, c'est moi qui lui ai posé ses chaussures depuis tout ce temps. Je lui ai demandé de garder le secret et tout, mais...
Depuis ce jour-là, en fait, on se déteste parce que... En gros, il avait plein de paires de chaussures et moi, je voulais juste une paire de chaussures et il m'a pas donné la paire de chaussures que je voulais, vous voyez ou pas? Du coup, depuis ce jour-là, c'est... Et je vais aller bot. On a enfin le grade, hein, je suis vraiment late. Attention, j'ai déjà perdu une game comme ça moi, donc c'est bon. Ok, ça va bon. Job. J'ai dit. Oh là putain, mais Zach a explosé, Olaf, une dinguerie. Une dinguerie comme il a explosé par contre. Oh là 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 là, top diff. Putain, c'est vraiment le counter. Hein. C'est vraiment le counter. Hein. Vas-y, on va dans Thresh. Zach Olaf, super match-up, je note. Ouais, super match-up comme ça.